Pardon, qu'est-ce que c'est? Oh pardon, monsieur, vous êtes là? Mais, Olivia, oui, vous ne pouvez pas prendre la main d'un train. Oh, si, bien sûr. Mais maintenant, c'est inutile, puisque vous êtes là. Qu'est-ce que vous voulez? C'est bien ici, les bourreaux de monsieur Madette? Oui, c'est ici. Et alors? Bah, je voudrais voir monsieur Madette. Vous le voyez? Je suis. Je le vois. Où ça? Bien ici. C'est moi, monsieur Madette. Oh bon! Enchanté, monsieur. Enchanté, mademoiselle. Qu'est-ce que vous venez de dire? Moi? En ce cas, que voulez-vous faire ici? Moi, je ne suis pas ici, c'est à vous de me le dire, c'est différent. C'est le chef du personnel qui vous envoie peut-être? Oui. Et vous ne pouvez pas le dire tout de suite? Vous êtes ma nouvelle secrétaire? Quelque chose comme ça, oui. D'accord. Approchez. Votre nom, s'il vous plaît. Mademoiselle Munchausse. Écoutez. Mademoiselle Munchausse. D'accord. Faites quelque part. Bon, tournez-vous. Vous me présentez pas mal. Étiez-vous capable de prendre un instant? Moi, monsieur, mais je n'ai jamais rien appris à personne. Bien, vous savez taper à la machine? C'est que j'ai raté mes soins de travailler. J'ai les yeux même été ma mère, elle nous dit.
Combien de frères avec des frères, des cousins et des cousines? C'est tout naturel. Alors, ne pleure pas, c'est chez vous l'armée. Et vous écrivez très bien. Oh, mais c'est vrai. Mais oui, vous écrivez très très bien, mais vous parlez en dormant. C'est pourquoi vous répondrez au téléphone. Alors, comme ça, je les vois bien, j'ai vu comment c'est des sites. Eh bien, et là. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Bah, j'ai un bon. Mais vous en valez pas? Attendez que ça sonne, moi vous répondre. Ah bon, bon. Et vous croyez que ça va être long? Mademoiselle, long? Quoi long? Bon, je vais dire avant que ça sonne. Oh mademoiselle, il faut attendre. Ah bon? Attendons. Eh bien, attendez-vous, ça sent répondu. Oh, mais c'est vrai! Oui. Oui, c'est les bourreaux de monsieur ma tête. Non, moi je suis sa secrétaire, mademoiselle Monchos. Non, pas possible. Mais vous dites ça pour me flatter. Non, vous êtes gentille. Mais enfin, qui est-ce? Je sais pas, je sais pas. Mais il dit que j'ai une voix ravissante. Ah oh, non, non, non. J'ai pas les yeux. Marron plutôt. Et même tiracé de verre. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais enfin, qui est-ce? Au fait, qui a la barrelle? C'est monsieur Malpuy. Non, 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 non. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je suis malade. Prenez le message. Monsieur ma tête vous fait rire qu'il n'est pas là, qu'il est malade, mais que vous pouvez me laisser un message. Comment? Il veut vous parler quand même. Non, non et non. Qu'il a fait faire roi, il me casse les pieds, c'est un imbécile. Il me charge de vous dire que vous êtes un imbécile, que vous lui cassez les pieds, et il vous demande d'aller vous faire roi. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Allô? C'est vous, cher ami? Mais non, ne faites pas attention. Ma secrétaire est ingourde. Il a raccroché, vous êtes content, hein? Mais si, vous... Mais non. Mais si, vous l'avez dit, il avait bien entendu. Mais non, c'est pour lui que j'ai dit ça. C'est pas les messieurs. Et j'ai dit, vous êtes charmant. Vraiment? Oui, mais oui. Vous n'avez fait ça seulement pour me faire plaisir. Mais non, quelle idée. C'est chez vous là. Mon petit souris, c'est si joli quand vous souriez. Alors, vous me pardonnez? Mais oui.